Michel. Bonsoir. Alors, euh, on se retrouve pour un nouvel échange, puisque nous avions eu l'occasion par le passé d'échanger notamment autour d'un tel livres euh, concernant euh, l'affaire dite euh, Vincent Lambert et la, le déchirement de la famille euh, autour. Peut-être qu'on y reviendra d'ailleurs, euh, parce qu'il y a peut-être des passerelles entre l'affaire Vincent Lambert et le livre d'aujourd'hui euh, que tu as... Euh, qui a été édité euh, en 2022. Donc, euh, c'est celui-ci. Les enfants martyrs de riomont enquête sur un pensionnat euh, intégriste, donc, qui est sorti en, en 2022. Euh, tu es, H.L. Autrice, euh, journaliste euh, indépendante, documentariste. Et je disais, parmi d'autres livres, tu as écrit l'affaire Vincent Lambert, qui est paru en 2020, mais également un autre livre sur lequel on a pu échanger, Écoute les murs parler, Cadillac, la ville qui doit vivre avec les fous, qui est paru en 2023. Je dirais que tu es en fait une journaliste d'investigation dans la mesure où tu fais véritablement une, une enquête de fond, tu rencontres, je dirais, les, les témoins et tu vas sur le terrain. Et non seulement non seulement ça mais aussi euh, j'ai lu dans la revue étude que tu travailles avec le cœur ce qui est vrai en fait tu es tu, tu es quelqu'un qui est finalement proche des gens qui te laissent toucher par eux et qui du coup aussi garde des contacts euh, après ce que je souhaitais euh, également euh, souligner alors ici ce, ce ce livre en particulier qui est paru en 2022 euh, j'ai envie de te, te demander parce que c'est sans doute pas innocent non plus pourquoi l'écriture de ce livre, quelles rencontres ou quelles circonstances sont à l'origine de, de ce livre Eh bien, euh, j'étais justement en train d'enquêter de, et de travailler sur euh, la jeunesse de l'affaire Vincent Lambert. Et euh, en travaillant sur cette histoire, je me suis aperçue que Vincent Lambert avait donc été euh, abusé euh, par un prêtre. Euh, euh, traditionnaliste euh, et cette information n'était pas forcément une information euh, cachée, hein. c'était une information qui, a, qui était sortie, euh, euh, c'est un avocat je crois qui avait évoqué euh, cette question-là sur euh, le fait que euh, Vincent Lambert avait des réactions un peu automatiques quand on le, quand on le lavait en fait, donc euh, il était en état végétatif et il avait une sorte de rétractation des muscles, donc une, un quelque chose de pas un malaise en fait et euh, j'avais donc appris que ce prêtre qui s'appelle le, le euh, je, je sais pas si je, je peux donner son nom mais en tout cas dans le livre je, je l'ai donné hein, c'est l'abbé peignot oui. euh, et je me suis aperçu que cet homme n'avait pas fait qu'une seule victime mais qu'il en avait fait d'autres et euh, j'ai donc euh, Remonter un peu dans le temps la piste de, 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 des lieux qu'il avait fréquentés pour voir euh, s'il avait pu euh, faire d'autres victimes enfants, puisqu'il s'occupait essentiellement des scouts. Et c'est là que je suis tombée sur deux autres victimes de ce prêtre, euh, dont une qui est à Lille, qui s'appelle Bruno Raoult, et qui, euh, quand je l'ai rencontré, m'a raconté dans quel contexte il avait été abusé. Euh, et le contexte est celui justement de, du pensionnat catholique intégriste de Riomont, qui est situé à Liévin, euh, dans le Pas-de-Calais, dans le nord de la France. Et, euh, et quand il m'a raconté le contexte de son histoire de, de, donc de, de, de cet abus, mais donc tout ce qu'il avait vécu avant, puisque euh, ça découlait quand même de ça, euh, j'ai été extrêmement impressionnée, interloquée par euh, l'histoire de ce pensionnat dont je ne connaissais absolument pas l'existence et euh, j'ai senti que Bruno avait envie de me guider un peu, euh, de, de pousser un petit peu plus loin l'enquête le, 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 et je me suis dit que qu'il qu fallait y aller quoi, que il y avait peut-être d'autres victimes comme Bruno et que finalement il y avait encore beaucoup de gens à à retrouver, à faire parler. C'est comme ça que tous les deux, en fait, on a commencé à, à, à discuter, à, à aller de plus en plus loin, en fait, dans, dans cette histoire intime, d'abord, qui était la sienne, pour ensuite élargir et, et aller, aller à la rencontre d'autres victimes. C'est ça. C'est un pensionnat qui dépend de la fatalité saint pédis euh, pour qu'on sache peut-être justement de quoi il s'agit tu pourrais, comment définirais-tu définirais finalement cette euh, fraternité alors euh, l'institut la, la, de la Sainte Croix de Riomont ne dépend pas vraiment en fait, de la fraternité Saint-Pédis euh, eux ils sont euh, ils, ont, ils sont chapeautés spirituellement par l'abbaye de Fongombo euh, qui est effectivement proche de la fraternité Saint-Pédis mais il n'a appartiennent pas vraiment à une communauté spécifique, c'est-à-dire ils sont eux-mêmes une communauté, une institution, euh, et euh, ils ont, c'est un des points en fait qui est très difficile d'ailleurs à, à, à le nœud qui est très difficile à, à défaire, c'est que tantôt ils ont été euh, un peu sous la, sous la protection de, du diocèse d'arras qui a, qui a reconnu en fait les sacrements qu'ils pouvaient donner donc euh, les mariages les enterrements les baptêmes et puis il y des moments donnés comme ils rentraient pas complètement dans les clous. Euh, le diocèse d'Arras s'est un peu éloigné, mais euh, sans vraiment euh, que ce soit très clairement dit en fait. Hein. Donc euh, en fait ils sont dans une sorte de nébuleuse. Ils ont toujours essayé de faire partie. Euh, de, de, de Ecclesia Dei, donc qui était le, le, le feu Ecclesia Dei, puisque c'était cette, cette espèce d'organisation de, de, parallèle qui était censée discuter au Vatican avec les communautés traditionnalistes qui, étaient, qui, qui refusaient en fait, de rentrer dans le rang euh, de, de Vatican II et qui voulaient absolument garder euh, les rites euh, tridentins euh, et tout, tout, tout un tas de. de de positionnements plus radicaux, en fait, euh, plus extrêmes que, que, ceux de, que ceux de Rome. Et donc, finalement, Riomont a toujours été dans cette espèce de nébuleuse, à essayer d'être à la fois un peu reconnu par euh, Ecclesia Dei, à essayer d'être reconnu par le Vatican, mais en même temps, euh, ils échappaient complètement déjà. Euh, à, à ce chapeautage de l'abbaye de Fongombo qui, eux-mêmes, avaient du mal à les, à les gérer, en fait, parce que, vraiment, ils faisaient euh, tout et n'importe quoi. Ils avaient un, 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 une sorte de liberté, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'ils étaient ingérables. La façon dont ils géraient Riomont était, euh, d'un point de vue euh, même économique, d'un point de vue euh, euh, de la sécurité, d'un point de vue éducatif, enfin, à tous les niveaux, c'était... Euh, une sorte de, 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 de voiture folle qu'ils n'arrivaient pas du tout à gérer en fait. donc, euh, donc finalement en fait Riomont a toujours finalement réussi à échapper à, à se mettre du bon côté quand il fallait se mettre du bon côté avec aussi des relations interpersonnelles avec certains, avec certains responsables euh, catholiques en fait euh, de la région du Nord euh, et, et avec ses soutiens, Petit à petit, ils ont toujours réussi en fait à passer à travers les mailles du filet, à, inquié à inquiéter personne et, euh, et en, toujours être en tout cas en place et fonctionner correctement. Mmh. Ne personne ne dépend véritablement de personne, mais en même temps, euh, il y a des, des enfants qui leur sont confiés. Euh, tu... Tu, tu dis ceci en préambule euh, le village d'enfants de Riomont a été fondé donc à Liévin, Pas-de-Calais, en 1960 par le père Albert Revet, géré par des prêtres d'obédience bénédictine. Ce foyer pour garçons, appelé Village de Riomont, revendique son identité catholique traditionnaliste et sa pédagogie scout comme colonne vertébrale du redressement et de la rééducation d'enfants issus en majorité des corons. Alors pour être effectivement clair et rentrer peut-être dans le vif du sujet, de quel redressement, de quelle rééducation et de quel enfant parle-t-on exactement Mais En fait, tout ça, ça se passe, ça commence dans les années 60. Donc c'est toute une période aussi, il faut remettre ça dans le contexte, où euh, les communautés qui sortent un peu euh, de, de justement de, de Rome, de, du Vatican, euh, sont un peu en, en roue libre en fait. Il y a un tas de petites communautés qui se forment en fait, et, euh, et, et, et Riaumont en fait partie en fait, et le père Revet en fait partie. Euh, lui, il est du Nord, il est, du, il est de Calais, donc il est, il est dans son élément, euh, et c'est quelqu'un qui est très intelligent, euh, qui va très vite percevoir un besoin de prise en charge d'enfants qui sont euh, complètement euh, qui partent à volo, qui sont dans la délinquance euh, c'est quand même la fin des mines donc il y a énormément de chômage énormément d'alcoolisme il y a une situation sociale qui est très compliquée euh, la structure euh, on va dire sociale sociétale elle fonctionne plus très bien et donc effectivement il y a un besoin de prendre en charge ses enfants. Et il n'y a pas beaucoup de, de foyers, on n'y est pas encore sur ces histoires de foyers, d'aide sociale à l'enfance, de l'idée de, de l'enfant le, euh, comme un être humain à part entière, elle, elle arrive après en fait. Voilà, elle arrive après 68 dans les années 70. Et du coup, dans les, en 1958, parce que vraiment, il, il commence assez tôt, même à Lens, dès Lens, il commence à monter une espèce de petit lieu qui accueille des enfants qui sont, euh, euh, qui, 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 qui sont dans la rue, dont les parents n'arrivent pas à s'occuper, etc. Donc finalement, lui, petit à petit, il, 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 fait, il, il crée une toile où il montre bien à tous les notables et à tous les parents. Euh, catholique, très croyant et plutôt aisé euh, qu'il euh, il est euh, capable en fait de s'occuper euh, d'enfants et qu''ils euh, peuvent donner de l'argent pour euh, construire un lieu, etc. Et petit à petit va, il va trouver un lieu qui est le lieu actuel de Riomont qui, qui est dans une petite colline à, à Liévin euh, et euh, qui lui est cédé par euh, les mines puisqu'il est très soutenu aussi par, par les notables du coin, et euh, commence l'histoire et l'aventure de Riomont avec cette idée que euh, euh, certainement des juges pour enfants euh, ou euh, des assistantes sociales auront certainement besoin de placer des enfants, et puis lui, il est prêt à recueillir même les enfants les plus difficiles, les plus durs, les fratries, à un prix défiant toute concurrence, parce que ça coûte de l'argent. Les enfants, s'ils sont placés quelque part, c'est pas gratuit. Et donc, c'est l'État qui, qui paye, puisque la, ça correspond à ce qu'était l'ASE la avant. Donc, avant l'Aide sociale à l'enfance, c'était la DAS. Et donc, ces services vont se rendre compte que ce monsieur, ce prêtre, est d'accord pour recevoir ses enfants. Donc, en fait, il fait les choses à l'envers. Il n'a aucune autorisation. Il n'a aucun, aucun papier officiel. Par contre, il a tous les soutiens. Et les enfants qui ont besoin d'être placés, ils sont là aussi. Donc en fait, lui, il commence à recevoir des enfants avant même qu'il ait des, une quelconque autorisation. Et donc, il va faire le forcing, en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est là, une fois qu'il existe, bah ça va arranger tout le monde parce qu'on ne sait pas où mettre ses enfants perdus. Et, et donc, lui, il est là et il les accueille dans un lieu qui est au départ complètement... Euh, euh, en construction il hein, n'y a rien, euh, c'est des baraquements, tout est un peu à construire, tout est à faire et, et comme il est très intelligent il va utiliser les enfants pour construire ce lieu euh, à peu de frais en fait. ça et, et ton enquête en fait Michel elle, elle commence euh, à quel moment à quelle époque? Euh, ben, l'enquête c'est surtout des témoignages. Et ouais. les témoignages, euh, j'en ai euh, qui commencent en 1960, en fait. Euh, J'ai un, un témoignage, notamment, qui est arrivé euh, euh, juste avant le bouclage du livre euh, d'un enfant qui était un scout et qui était le fils d'un ingénieur des mines. Et il a été euh, mis là euh, comme scout. Donc il n'était même pas un, ni un enfant euh, des rues, ni un enfant euh, du nord. Euh, mais il a été placé là en tant que scout, euh, très jeune. Et ce, cet homme m'a raconté juste avant le bouclage du livre, donc j'ai pu le rajouter pour une deuxième édition, que euh, le père Revet abusait de lui. Donc euh, il y a aussi cette dimension. C'est-à-dire euh, la question euh, des violences physiques euh, va de pair avec la question des violences sexuelles. Euh, tout est lié dans cette histoire, en fait. C'est-à-dire que c'est un lieu clos, euh, c'est un lieu euh, qui est difficilement pénétrable par des gens extérieurs, euh, mais c'est un lieu qui, euh, qui est respecté euh, par les gens de la ville, par euh, même la mairie socialiste. Euh, par les associations caritatives, par les associations de soutien à l'enfance de la ville. Euh, il est en fait en, en dehors de tout soupçon. C'est vraiment euh, un personnage euh, très euh, charismatique, très aimé. Et donc du coup, euh, il a vu passer énormément d'enfants. Et il y a énormément d'enfants qui ont été placés là, que ce soit des enfants majoritairement dans la première période de 1960 à 1981. C'est des enfants placés par l'ADAS, mais il y a aussi des enfants qui viennent euh, pour faire du scoutisme. Et donc, euh, finalement, l'enquête, elle commence avec les, les premiers témoignages qui datent de 1960, en fait. C'est-à-dire que euh, ce témoignage a été crucial pour moi parce qu'il m'a permis de me rendre compte que c'était pas le, une question de dérive, mais que en fait, la question des violences sexuelles et des mauvais traitements, elle démarre tout de suite, en fait. C'est-à-dire que le, le, le père Revé, qui a créé ce lieu-là, est un pédocriminel. Et ça, a priori, c'était insoupçonnable. Il était. Oui. Blanc comme neige, il ouais. n'y avait pas de soucis euh, particuliers. Non. En fait, personne n'avait jamais euh, euh, dénoncé euh, le père Revet euh, jusqu'à sa mort. Euh, même après sa mort, euh, euh, tout ça n'était jamais sorti. Euh, euh, Bruno lui-même, que j'ai rencontré euh, en tout premier lieu comme premier témoin finalement et première victime, n'a pas été abusé par le père Revet. Euh, non, tout ça, c'est sorti après, c'est petit à petit, quand on a commencé à, à chercher euh, dans la mémoire de Bruno et puis de finalement exhumer des archives qui étaient disponibles, que, qu avait, que personne n'avait vraiment euh, euh, vu sous cet angle-là, parce que ce qu'on cherchait, c'était surtout à, à retrouver des anciens euh, de Riomont qui avaient pu vivre dans la même, à la même époque que Bruno, euh, et petit à petit, euh, je m'aperçois je après un travail de fourmi énorme, parce que j'ai passé euh, bon, beaucoup de temps à chercher toutes ces personnes. Il y avait beaucoup d'homonymes, ce n'était pas du tout simple. J'ai fait les, beaucoup les passes jaunes, j'ai utilisé beaucoup les réseaux sociaux aussi, Facebook. Et, et au bout d'un moment, en fait, euh, une personne, deux personnes, trois personnes, et quand j'appelais, que je parlais de ça, il y avait quand même un, un sentiment de que les gens avaient besoin de libérer quelque chose, c'est-à-dire qu'ils ne me demandaient même pas euh, pour, euh, qu'est-ce qu que j'étais en train de chercher, pourquoi je le faisais, mais en fait, le fait de juste évoquer l'histoire du pensionnat et du père Revet, pour beaucoup, c'était euh, comme un déclencheur de « enfin, quelqu'un me demande qu'est-ce qui s'est passé là, et enfin je vais pouvoir parler », et c'était des gens quand même, on parle de gens qui, qui ont aujourd'hui entre, je sais pas, 65 et 75 ans donc, euh, et des gens qui n'en avaient jamais parlé donc c'est quand même euh, c'était pour moi très impressionnant en fait de me rendre compte finalement que euh, ça venait par dizaines des gens qui, qui euh, euh, vivaient euh, pas que le père Revet mais d'autres aussi, le père Crespel euh, euh, voilà Philippe euh, Peignot euh, et d'autres en fait les noms, les noms étaient là et c'était récurrent et puis Petit à petit, avec tous ces témoignages, ce qui est ressorti aussi, c'est un système de la violence en fait, un système de violence érigé euh, sous couvert d'éducation scout. Il euh, y avait quand même un, une ambiance euh, qui était euh, ultra violente. C'était la loi de la jungle. Les enfants, bah, en fait, on, on s'en occupait pas comme on aurait dû s'en occuper, bien qu'il y ait eu des éducateurs et des éducatrices, mais en fait, ils n'étaient pas vraiment bien formés, ils étaient sous la coupe du père Revet, c'était des personnes très jeunes qui étaient très influençables. Et, et finalement, ces enfants-là n'ont pas du tout euh, euh, reçu euh, la, la, la si bonne éducation euh, que, que le père Revet vantait auprès de tous les notables et auprès de, des gens qui venaient passer euh, le, le dimanche à la messe et qui faisaient des dons. Euh, assez important quand même, hein, au père Revé. Donc, euh, euh, l'État aussi donnait de l'argent pour euh, des prix de journée assez faibles, mais quand même, il y avait de l'argent qui était versé pour ses enfants. Ils étaient quand même tout le temps habillés de la même manière. Euh, les habits, euh, c'était des culottes de cuir euh, courtes, euh, hiver comme été. Euh, ils, avaient, ils étaient très peu euh, habillés. Euh, les chaussures, c'était des espèces de godillots qui avaient été utilisés par 15 enfants avant. Euh, ils n'étaient pas soignés euh, et quand ils étaient soignés ben, à l'infirmerie il euh, y avait des abus sexuels enfin vraiment euh, c'est difficile de trouver quelque chose qui puisse où on puisse se dire qu'est-ce qu'il y a quelque chose de bien là-dedans en fait euh, euh, oui évidemment ce qui est très délicat en fait dans ce genre d'enquête de, c'est que vous, vous, vous faites parler les gens de leur enfance en fait et évidemment que c'est une enfance qui est détruite, qui est terriblement détruite, qui a été détruite par, par, par cette image de l'adulte ultra-violent, très injuste, qui, qui n'éduque qui pas, mais qui dresse en fait. Et en même temps... Ça reste votre enfance. donc euh, quand vous êtes un adulte rétro rétrospectivement, vous voulez pas tout casser, vous ne pouvez pas tout casser parce qu'en fait c'est ce qui vous a construit aussi en fait. Et c'est là où c'était extrêmement compliqué en fait de faire parler les gens sans qu'ils se braquent pour certains en se disant mais en fait vous, la journaliste, vous venez chercher euh, quoi en fait à déterrer des souvenirs qui sont pas bons, moi je ne veux garder que les bons souvenirs en fait. Et euh, évidemment qu'ils n'étaient pas maltraités du matin au soir, mais il euh, euh, y avait des animaux, ils faisaient du cheval, ils pouvaient aller à la piscine, il y avait des sports, ils y y, y sortaient pour aller au collège, ils sortaient pour aller à l'école primaire, et tout ne se passait pas à l'intérieur de l'internat. Mais euh, donc ça, c'est toute la difficulté, ça a été ça en fait, de démêler. Euh, ce qui avait été euh, finalement euh, euh, destructeur et le fondement d'une enfance détruite, en fait. Et ça, euh, c'était pas évident, en fait, d'amener les gens à se tranquilliser en se disant on n'est pas là pour euh, détruire ce que vous avez gardé de positif de cette période, parce que sinon vous ne seriez pas vivant, probablement, aujourd'hui. Euh, mais. Euh, Essayons de voir, quand même, qu'est-ce qu qui se passait d'un point de vue factuel, euh, qu'est-ce qu'on vous faisait faire. Euh, voilà, ils n'avaient pas forcément euh, euh, des loisirs le mercredi. Le, le père Revet tenait absolument à les dresser. Donc, dans le dressage, il y avait aussi un aspect très concret et très pratique pour lui c'est qu'il avait un bois. À entretenir et donc il faisait travailler les enfants euh, pour entretenir ce bois, à faire tomber les arbres euh, à main nues en fait parce qu'il refusait que les enfants euh, utilisent des outils donc en fait ils étaient obligés de, de déraciner des arbres euh, en faisant un trou énorme autour de là pour que l'arbre tombe tout seul par exemple euh, bon c'est des obsessions de quelqu'un qui est euh, complètement euh, fou en fait qui a une espèce de, de mégalomanie de délire complet enfin il faut quand même imaginer ce que c'est Riomont quoi Riomont c'est un, un lieu qui ressemble à une cité médiévale une mini cité médiévale construite avec des pierres il euh, y a tout est euh, comme euh, une sorte de mini château euh, euh, la, le lieu où vivait le père Revet, ça s'appelait la maison Blanche-Neige. C'était fait euh, avec une grande salle. Dedans, il y avait euh, des animaux empaillés, euh, avec euh, des armoiries, avec euh, euh, des tables euh, type Moyen-Âge, médiéval. Enfin, c'est ça l'ambiance. C'est ce, un lieu qui a été construit par quelqu'un qui était mégalomane et qui s'est construit sa propre cité des enfants, euh, mais c'est en fait c'est une cité des enfants perdus qu'il a fabriqué, c'est-à-dire une cité euh, avec ses propres règles, avec une violence inouïe puisque il y avait évidemment des châtiments corporels quand euh, ils ont considéré qu'ils avaient fauté parce qu'ils avaient euh, euh, dit un gros mot, mangé un bonbon, fumé en cachette, enfin je sais pas tout ce que peut faire un enfant euh, euh, Petits euh, se bagarrer, euh, eh bien euh, les châtiments étaient terribles. quoi. Ils se faisaient frapper euh, dans les douches, à coups de ceinturon. Euh, euh, certains ont gardé des traces de ça aujourd'hui. Ils ont 70 ans. donc euh, euh, C'était vraiment une, une, une éducation par la violence, par la soumission. Euh, et on, finalement on leur ouvrait pas trop l'horizon puisque l'objectif c'était quoi C'était soit de, de devenir prêtre, soit de devenir militaire puisque c'était le culte de la force, de la violence. Euh, ils étaient en permanence en contact avec des militaires, il y avait des démonstrations assez régulièrement d'armes, de maniement des armes, et le scoutisme, ce n'était pas le scoutisme qu'on connaît aujourd'hui, où on va faire euh, des jeux en forêt, une balade, euh, construire des cabanes. C'était euh, des raids, c'est-à-dire qu'ils les laissaient partir, euh, euh, ils faisaient des marches euh, de, de, de 20 km euh, avec des sacs à dos euh, très lourds, euh, en autonomie. Euh, et euh, bon, tout ça, c'est quand même... Euh, il a, ça a été un travail très long de euh, euh, déterrer tous ces témoignages qui étaient très enfouis, qui étaient pas faciles à raconter, qui n'étaient pas faciles à assumer pour certains. Euh, il a fallu des mois pour certains pour qu'ils vraiment ils en viennent aux, aux choses les plus dures, et il a fallu des mois aussi pour certains qui au départ étaient très en colère contre moi parce que je leur venais un peu casser un, un mythe et qui finalement ont fini par par accepter que oui, effectivement, c'était n'était pas, pas une éducation, que ça les avait traumatisés à vie et que c'était très dur. Mais ce cheminement, il a fallu des mois, en fait, pour certains. Certains, ça a été tout de suite, ça a été très clair et le positionnement est très très clair. Ils étaient très en colère et ils avaient beaucoup de, de rancœur et, et beaucoup de revanche euh, sur tout ce qui leur a été euh, imposé. Mais d'autres, ça a été un chemin qui a été très long. Oui, tu, tu parles dans, dans le livre d'une de, forme d'emprise et pour certains victimes également du syndrome de Stockholm, donc la, la difficulté précisément de faire la part des choses, et c'est évidemment, j'imagine aussi confondant de se dire à un moment donné, j'ai quand même appris quelque chose, tout n'est pas négatif et en même temps, il faut reconnaître qu'il y a de la violence. Donc quand on fait la part des choses, quand en même temps, ça nous a permis le cas échéant de, de quitter une situation qui était à la base peut-être très compliquée à vivre et donc on est entre guillemets placé et puis en même temps on, on vit la maltraitance donc c'est vrai que c'est pas forcément évident de, 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 fait, de faire la part des choses mais c'est aussi intéressant ce que tu dis mais je crois que c'est important de fait d'être de, extrêmement clair pour faire comprendre évidemment une, une situation d'abus mais ça, ça, ça a duré pendant, pendant des années et des années finalement euh, il n'y a, a pas eu de, de contrôle d'exigence de, de rendre des comptes de plainte comment, comment, comment ça s'est passé ce système carcéral finalement à un moment donné il y a quand même quelque chose qui a fissuré Alors en fait au début euh, finalement tout le monde y trouve son compte et euh, il finit par avoir des autorisations mais pas des autorisations définitives ça c'est très intéressant parce qu'au fil des années bon ça a quand même duré 60 ans donc pendant 60 ans il y a eu des autorisations provisoires en fait, à chaque fois, on lui donnait deux ans pour régulariser des situations. Par exemple, que ce soit des éducateurs qui soient formés et pas des éducateurs prestagiaires, euh, qu'il y ait une infirmerie en bonne et due forme, qu'il y ait un médecin, euh, qu'il euh, euh, y ait euh, peut-être de l'eau chaude parce que les enfants se lavaient à l'eau froide, que il euh, euh, y avait des lieux qui étaient pas aux normes. Donc, il y avait plein de, de prérogatives. Par exemple... Les, les, les juges qui ont placé les enfants, il y avait quand même des rapports qui étaient faits de la DAS et de, et de la partie justice et de la partie euh, plus euh, ministère euh, de la protection de l'enfance, on va dire, enfin ce, que, ce qui correspond à la DAS, il y avait, alors ça s'appelait l'inspection euh, des affaires euh, sanitaires, euh, qui ont bien vu qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Euh, mais en fait, euh, le système, il arrivait toujours à perdurer grâce à toute cette toile dont je parlais tout à l'heure qu'il a mis en place, grâce à ses ce, notables, grâce à son, à sa réputation, grâce au fait que finalement il était un peu le seul à accepter des enfants dont personne ne voulait. Donc euh, les institutions étaient aussi prises un peu dans ce piège en fait, euh, qui est qu'il n'y euh, avait que lui en fait. Voilà et c'était pas cher. Donc euh... Euh, C'est des petits arrangements finalement hein, qu'on fait au niveau institutionnel, on, on s'arrange avec la réalité, les enfants montrent bien ou disent à un moment donné, euh, bah, tel éducateur m'a frappé ou f... je ne suis pas bien, euh... mais euh, les adultes tous, presque, euh, ferment les yeux en fait ils n'entendent pas, ils répondent: oh, bah, tu as bien dû provoquer la situation ou c'est bien parce que tu as fait quelque chose qui, qui a provoqué cette situation. Donc il y avait toujours euh, ce retranchement. les instituteurs, quand les enfants ils allaient à l'école, ils voyaient bien qu'ils étaient pas bien traités, qu'ils mangeaient pas très bien, qu'ils n'étaient pas soignés, qu'ils étaient frappés parce que les, quand on frappe quelqu'un, ça laisse quand même des traces. Euh, quand les enfants allaient à la piscine on voyait bien qu'ils étaient frappés donc il y a quand même un tas d'adultes autour de cette histoire qui ont vu en fait la réalité des choses et je pense que le père revet était à un tel niveau d'impunité qu'il voyait que finalement il ne se passait rien en fait euh, même si ça se voyait en fait qu'il y avait de la maltraitance euh, il va y avoir une première alerte d'une madame Clément, que j'ai malheureusement pas réussi à retrouver, qui était la femme du proviseur du, du collège, qui était une femme très pieuse et qui donnait des cours de catéchisme, et qui petit à petit va se rendre compte en fait de la réalité de, de ce que vivent les enfants. Les enfants vont lui parler, vont se confier, et elle va écrire une lettre à la mairie, une lettre qu'elle euh, qu rend publique, enfin qu'elle euh, qu donne aussi euh, à, à Réaumont, en disant « voilà, moi je ne peux plus accepter ce que je vois ». Et très simplement, cette lettre, elle va partir à la poubelle, en fait. C'est-à-dire que la mairie va faire comme si elle n'avait jamais rien lu, et puis on va demander à cette brave dame d'aller s'occuper de sa cuisine et d'arrêter d'alerter de, de, parce qu'il n'y a, a rien à voir, voilà, circuler, tout va bien. Euh, L'autre point qui va faire vraiment commencer à craquer cette histoire euh, et qui va être une alerte assez, assez sérieuse, c'est quand la, une des profs de français du collège de Riomont qui était vraiment juste derrière en fait ce petit bois et, et le pensionnat, ce collège de Riomont, cette prof de français, Françoise, euh, elle va euh, prendre le temps d'observer ses enfants. elle va prendre le temps de gagner leur confiance, elle va prendre le temps de leur faire écrire des témoignages, dans lesquels ils vont commencer à dire ce qu'ils avaient déjà dit à Madame Clément, c'est-à-dire qu'ils étaient maltraités, que c'était très dur, que c'était très violent. Et puis les profs commencent à se rendre compte aussi du discours des enfants, qui est un discours très, très extrémiste, en fait, qui est très euh, euh, anti-avortement, avec une image euh, euh, très caricaturale du communisme, de, euh, de, 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 bah, parce que est, on est en pleine guerre froide, hein, donc, euh, de, 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 de la menace communiste, euh, de l'importance de Dieu, etc. Donc tout ce discours-là, il se voit. Mais encore une fois, c'est quand même fou que dans un collège, il n'y ait qu'une seule professeure qui prenne conscience de tout ça et qui décide à un moment donné de parler. Donc elle va écrire une très longue lettre à l'inspection des affaires sociales, à l'inspection des sanitaires. Elle va écrire aussi à l'Éducation nationale. Elle va écrire une lettre au, à des juges, au, au, à des juges pour enfants de Béthune, dans lequel elle va dénoncer tout ça de manière publique. Et elle va tomber sur trois jeunes femmes qui viennent d'arriver, trois juges pour enfants, euh, à la fin des années 70, qui vont prendre très au sérieux en fait ces euh, dires. Et qui vont déclencher euh, ben, euh, des, une enquête en fait, une enquête à Rio Ce C'est pas la première enquête et c'est pas le premier rapport. Il y en a déjà eu plein et tous relèvent les mêmes incohérences, les mêmes problématiques, le même mauvais traitement. Mais jusqu'à maintenant, ça n'avait pas abouti. En fait, c'était resté en l'état. Et donc elles, elles vont reprendre tous ces dossiers, elles vont reprendre tout parce qu'il y a déjà quand même beaucoup de rapports hein, qui se sont accumulés. Elles vont auditionner les enfants, elles vont auditionner les professeurs, elles vont aller à Riomont et puis elles vont décider qu'il faut que ce lieu cesse de recevoir des enfants. Et euh, leur rapport ne fait pas effet tout de suite parce qu'on est en 80 et en 80, euh, ils ont encore, Riomont a beaucoup de soutien. Euh, C'est Perfit, qui est ministre de, de l'Intérieur. Euh, qui est ministre de la oui de... non qui est ministre de la justice pardon qui euh, est très proche de Riomont et qui soutient Riomont et ça c'est encore un autre élément en fait une autre couche en fait qui vient se superposer à tout le reste c'est qu'en fait Riomont a des soutiens euh, dans des endroits stratégiques donc dans des ministères chez des hauts fonctionnaires euh, dans les institutions euh, de de la DAS et euh, il va y avoir une lutte qui va se mettre en place entre euh, ces juges euh, qui petit à petit vont euh, dénoncer ce qui se passe de manière publique aussi euh, ce qui va leur être reproché d'ailleurs plus tard euh, la prof de français elle sera mena... elle va être menacée euh, enfin ils vont essayer de d'éteindre le feu le plus vite possible et en fait l'élection de Mitterrand en 80 va faire basculer complètement les choses puisque euh, les les têtes dans les différentes institutions changent. Le ministre, ça devient Robert Baninter. Et donc, du coup, euh, ben, le rapport est entendu, en fait. C'est-à-dire qu'il euh, décide de retirer l'agrément. Au bout de 15 ans, il décide de retirer l'agrément à, à Riaumont euh, pour euh, qu'il cesse de recevoir des enfants euh, euh, de la DAS. Voilà. Donc, en 81, on peut imaginer que. Voilà, c'est fini, tout est OK, l'État a enfin réagi, ils se sont rendus compte qu'ils donnaient des enfants, ils payaient pour que des enfants soient maltraités, que c'était plus possible, et malheureusement, ça ne s'est pas arrêté en 80. Hmm. Tu, tu parlais tout à l'heure, je voudrais revenir un instant là-dessus, ça me paraît quand même essentiel pour un, pour un enfant de recevoir de fait une, une éducation, pour le coup, complète, qui soit épanouissante qui soit équilibré et qui permette lui aussi de développer un esprit critique. Tu parlais de, de travaux manuels dans un contexte déjà très très particulier, mais sur le plan intellectuel, euh, religieux spirituel, tu, tu peux éventuellement définir peut-être un peu davantage la manière dont euh, une journée ou une semaine se déroulait. Qu'est-ce qui est quelque part on, on enseignait à, à ces enfants, à ces garçons mais en fait. Euh... Euh, ce qui est très étonnant, c'est que le père Revet ait accepté que ses enfants aillent dans l'école publique. Ça, c'est vraiment, ça reste un mystère, mais je pense que c'était une question financière, avant tout. C'est-à-dire que ça l'arrangeait que les enfants soient pris en charge par l'école, parce que, euh, voilà, euh, il n'avait pas, lui, les moyens de donner des cours. Par contre, tout ce qui leur était inculqué, c'était. Euh... Bah, que les femmes c'était des démons, que euh, euh, tout ce qui se passait à l'extérieur dans la société c'était en gros euh, Satan et que c'était euh, hyper. Euh, que la moralité n'était absolument pas respectée, euh, que euh, tout ce qui relevait du sexe et de la sexualité c'était extrêmement, euh, extrêmement dangereux et mauvais et à bannir quand bien même on était en train de les, de les violenter sexuellement hein, à l'intérieur, c'est là, là où ça devient complètement euh, fou cette histoire c'est que à la fois le père Revé leur tenait des discours euh, hyper puritanistes hyper moralisateurs hyper euh, manichéens et en même temps il les il, euh, ah, terrorisait en fait et il les faisait dormir dans, son, dans sa fameuse maison de Blanche-Neige pour les récompenser euh, sur des peaux de bête quoi en fait donc il euh, y a quand même un, un... et c'est je pense qu'il y a énormément aussi euh, rendu euh, les enfants et les futurs adultes qu'ils allaient devenir complètement euh, euh, déphasés en fait entre ce discours hyper sévère hyper euh, hyper conservateur hyper militariste hyper euh... Aussi d'extrême droite en fait. Hein. Mmh. Euh, tout ça, c'était complètement euh, à l'encontre de ce qui vivait en fait à l'intérieur, puisqu'il n'y avait pas euh, euh, il, le discours, c'était aime ton prochain. Bon, mais ça se passait pas du tout comme ça en fait. Euh, c'était la loi de la jungle. Donc eux, ils avaient un discours qui était tout construit comme ça, donc to totalement sectaire en fait, totalement. Euh, 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 fanta fantasmagoriques, euh, on, on leur parlait tout le temps du diable, on leur disait qu'ils allaient finir en enfer euh, s'ils si, euh, euh, avaient des pensées impures, enfin, mais tout ça, c'est des choses qui, qui les ont profondément euh, marquées, euh, sachant qu'ils euh, vivaient euh, que des injustices à l'intérieur de ce lieu, qu'ils étaient que violentés, que des fois ils comprenaient pas le sens des punitions. Euh, que des, que euh, la récompense du Père Revet, c'était un. Il se faisait embrasser sur la bouche, ou alors ils allaient euh, dormir dans le dans la maison du Père Revet, ils se faisaient tripoter par le Père Revet. Enfin, tout ça était. En fait, avec euh, à la fois un discours qui est, qui est totalement euh, euh, déconnecté de ce que vous êtes en train de vivre, en fait. Euh, donc ça c'est, je pense que pour eux c'est ultra destructeur parce qu'en fait quand ils sont sortis de Rio -Mont, ils étaient complètement perdus ils n'avaient pas les codes euh, ils étaient dans une relation de défiance vis-à-vis -vis des adultes dans une relation de défiance tout court vis-à-vis -vis de n'importe qui ils pensaient qu'ils pouvaient compter sur personne que en fait toutes les personnes qui les regardaient c'était des ennemis potentiels et qu'il fallait euh, régler les problèmes euh, à coups de poing en fait donc, ils fabriquaient en fait une sorte de d'armée de, de, de petits soldats du Christ, euh, complètement lobotomisés euh, par euh, euh, l'idée que voilà, les femmes c'était euh, elles étaient bonnes à procréer et puis surtout que c'était euh, surtout des dangers, euh, des dangers, des dangers pour eux et, euh, et donc. Vraiment, c'est pour ça que je parle de système et que je parle de système sectaire et que je parle de, de, de quelque chose de très organisé parce que le père Revé avait en tête pour faire perdurer ce lieu de euh, finalement recruter les propres enfants qu'il qu avait lui-même élevés pour qu'ils restent au sein de cette institution et qu'ils deviennent eux-mêmes des éducateurs, prêtres, des prêtres éducateurs en fait. Et s'ils ne devenaient pas ça le but, c'était qu'ils aillent faire euh, le, 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 le travail de... de qu'ils deviennent prêtres et qu'ils aillent christianiser la société parce que il euh, euh, y avait tout un travail à faire de conquête. Et donc, dans une, dans, finalement, dans quelque chose de, de très, de, très euh, médiéval, de l'idée des chevaliers, l'idée comme ça. On leur vendait une histoire à ces enfants, en fait, qu'ils allaient devenir, euh, finalement, les sauveurs, la, la société de demain, c'était eux, en fait, qui l'avaient entre les mains. Et, 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 et ça, avec tout un tas de valeurs, en fait, extrêmement conservatrices, euh, puisque le père Revé était très proche des milieux politiques d'extrême droite, et donc, évidemment, qu'ils étaient ultra-racistes. Euh, et qu'il n'y avait pas du tout cette histoire de fraternité dont ils leur parlaient de temps en temps, mais qui, qui n'avait aucun sens, en fait, pour les enfants. Il n'y avait aucune solidarité, aucune fraternité. Les enfants, c'était chacun pour soi et, euh, et absolument aucune valeur chrétienne, en fait, là-dedans. C'est l'opposé, en fait. C'était euh, euh, un lieu où il fallait survivre, où il, où il fallait tout faire et donc, ce que disent ces anciens, c'est que finalement, ils les rendaient encore plus vicieux. Ils utilisent ce terme, ils disent, ils nous rendaient vicieux, en fait, parce qu'il fallait toujours qu'on soit en train de déployer un tas de, 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 de manigances pour pouvoir se sauver de là, en fait. Et finalement, euh, tout ce qu'on nous interdisait, on, on était encore plus tenté d'y aller, en fait. Et du coup, on le faisait n'importe comment. Et, et euh, donc, en fait... Ces, cette, ces espèces de valeurs de la, de la force, de l'homme, etc., c'est quelque chose qui, leur, qui, les a, qui les a complètement tués, en fait, qui les a, qui les a complètement détruits, en fait. Parce qu'après, ils étaient totalement inaptes à la société quand ils sont sortis de là, en fait. Ils oui, savaient pas ça. faire avec les femmes, ils, ils ne savaient, savaient pas faire avec les autres, ils, tout, tout était ennemi, en fait. Donc, grandir dans un milieu où on vous explique, en fait, que la société, c'est l'ennemi numéro un et que, en fait, vous êtes dans un milieu ultra hostile, mais que là, à cet endroit-là, on vous protège et tout va bien se passer, en fait, ça, ça fait tout ça, le contraire de, de ce qu'on devrait faire pour des enfants, c'est-à-dire leur ouvrir l'esprit, les laisser réfléchir par eux-mêmes, etc. Donc, c'est... Voilà, les... c'est une doctrine en fait que le père Revet a appliqué euh, sa doctrine euh, mêlée entre quelque chose de militaire, hein, quelque chose de politique, quelque chose de religieux. Euh, C'était une... comme s'il avait mené une sorte d'expérience in vivo d'un de... truc euh, qui a été une catastrophe absolue en fait. Oui, ça, ce, que, ce que tu décris ressemble évidemment à la, à la manière dont fonctionne une secte en, en, en vase clos, avec forcément toujours des maltraitances. Et c'est toujours évidemment des maltraitances, des, des abus psychologiques, mais malheureusement, à la clé, souvent aussi des abus sexuels, évidemment. Ici, tu rencontres Xchel des personnes qui ont vécu pendant, pendant parfois des dizaines d'années dans un, dans, dans un milieu clos. Tu disais que pour bon nombre de, de personnes, elles, elles avaient maintenant la, la soixantaine. Euh, indépendamment de leurs difficultés, quelque part, de se remettre dans, dans la société et de trouver leur équilibre, tu as quand même le sentiment pour la plupart qu'elles ont compris, qu'elles avaient été formatées, et donc, quelque part, elles, sont en, elles parviennent à se à, à, à retrouver un certain équilibre par rapport à, au, au, au vrai du faux, ou bien, quelque part, certaines sont encore, entre guillemets, fidèles. À la, à la doxa qui leur a été inculquée comment, comment vivent en d'autres mots ces, ces, ces personnes sur le, plan, sur le plan psychique, sur le plan physique il n'y euh, a, y a pas de c'est difficile de, de de dire les groupes qui existent en fait par rapport à ces milliers d'enfants qui sont par, passés par là euh, ceux que moi j'ai rencontrés, il y en a dans la vingtaine que j'ai rencontrés ou que j'ai eu au téléphone il euh, y en a quand même beaucoup qui sont très en colère et qui ont une conscience claire d'avoir été manipulés. Euh, ils voient. Alors, ce qui est très fort aussi, c'est qu'ils n'étaient pas forcément au courant de tout ce qu'il y avait derrière, en fait. Tout ce que je viens de raconter là sur l'aspect politique, économique, parce que c'est aussi une entreprise économique, c'est-à-dire que ça lui permettait de vivre, ça lui permettait d'avoir un lieu à lui, de pouvoir diriger des personnes, de. Euh, S'acheter euh, tout un tas d'armoiries et d'objets euh, antiques, euh, qui, parce qu'il était très fan d'objets militaires, dont des objets nazis d'ailleurs aussi, euh, et des objets de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, etc. Napoléon, enfin bon, voilà quelqu'un qui. Donc pour financer tout ça, il y a aussi cet aspect économique. Et eux, ils, enfants, évidemment, ils n'avaient pas conscience, en fait, de à quoi servait finalement l'argent que donnait l'État pour eux, en fait, parce qu'ils n'en ont pas vu la couleur. Euh... Donc, ils ont pris conscience aussi avec ce que moi j'amenais finalement de l'enquête, euh, à quel point finalement c'était bien rodé en fait. Et ça, c'est quelque chose. C'est-à-dire, eux, ils savaient ce qu'ils avaient vécu, ils savaient la violence de ce qu'ils avaient vécu, ils savaient les abus qu'ils avaient vécu, mais ils ne se rendaient pas compte dans quoi ils étaient tombés en fait, dans quel type de, de, de fonctionnement, de toile sectaire. Il euh... y en a qui euh, arrivent à à avancer qui ont réussi à avancer à se former à changer complètement de, de paradigme il y en a d'autres qui n'ont pas réussi il y en a qui sont morts il y en a qui se sont suicidés il y en a qui euh, qui s'en sont sortis mais qui ont passé beaucoup d'années dans des situations d'addiction ça c'est la majorité hein. tous ont eu des addictions ou encore des addictions... À l'alcool, à la drogue, euh, voilà, ça c'est quelque chose de, de très commun à toutes les, toutes les victimes. Mmh. Euh... Franchement, c'est difficile de dire qu'ils s'en sont sortis en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que malgré la prise de conscience, il y a quand même qu'on parle de l'enfance et que en fait, quand vous avez été aussi maltraité, euh, quand vous avez subi des crimes sexuels, que vous avez été torturé, en fait, parce que vraiment, moi, je peux parler de torture sans aucun problème, euh, c'est extrêmement difficile, en fait, de, de s'en sortir. Alors, il y en a qui ont réussi à faire des familles, il y en a qui ont réussi, qui, ils ont la plus grande fierté pour beaucoup, c'est de ne pas avoir reproduit ce qui leur est arrivé, c'est-à-dire de ne pas avoir frappé leurs enfants, de ne pas avoir euh, violenté leurs enfants, de ne pas avoir abusé de leurs enfants. Euh, mais j'ai des cas de, de fratrie ou dans la, une fratrie, il y en a un qui s'en est très bien sorti et puis les deux autres sont complètement détruits et ont été des, sont devenus eux-mêmes des violeurs. Donc, c'est compliqué de faire des, des catégories. Euh, je pense pas qu'on se relève de ça, jamais en fait. Je pense qu'on apprend à vivre avec ça euh, et puis on essaye de faire une famille comme on peut. Euh, mais on reste toujours pour tous euh, quand même dans une sorte d'inadaptation perpétuelle qui est très compliquée. Et après, c'est vraiment l'espèce de négociation quotidienne avec euh, ses démons, avec euh, euh, ses, ses propres difficultés, etc. Mais j'ai quand même le sentiment d'avoir des personnes qui sont extrêmement abîmées, quoi qu'il arrive. Pour toutes, il n'y en a pas une dont je peux dire... Elle va super bien en fait ça, c est, c est, c est pas, ça serait faux en fait de dire ça euh, et je pense qu'il y a une autre dimension qu'on n'a pas évoquée aussi qui est assez intéressante c'est que pour certains ils ont l'impression d'avoir été sauvés en fait par Riomont parce que la situation familiale était terrible euh, parce qu'il y avait une maltraitance euh terrible à la maison parce que les parents étaient euh, violents, euh, alcooliques euh, ou euh, violents sexuellement aussi euh, ou même euh, sectaires et euh, du coup euh, Réaumont représente presque une bouffée d'air dans un premier temps en fait pour eux où ils se disent euh, je suis sauvée puisque en fait on va s'occuper de moi je suis dans un lieu qui est joli parce que c'est vrai que c'est tellement médiéval qu'on pourrait presque se dire que c'est sympa et que c'est joli la première fois qu'on y va et qu'on ne connaît pas tout ce qu'il y a derrière. Euh, je, je parle d'un point de vue d'enfant, hein, de, de ce yeah. que ça peut impressionner, en fait, hein, d'avoir une petite maison comme ça, euh, comme Blanche-Neige, au milieu d'un bois, avec un, un château. Euh, ça, ça, ça peut euh, attirer, en fait. Euh, c'est fait pour, d'ailleurs. Euh, je pense. Euh, et, et, et donc ces enfants-là, finalement, il y a eu tout un temps où ils se sont sentis sauvés, entre guillemets, par Riomont. Et donc finalement, euh, pour ceux que j'ai eus au téléphone ou que j'ai réussi à contacter et qui continuent à défendre Riomont Mordicus, c'est des gens qui considèrent qu'ils n'auraient pas réussi ou eu la vie qu'ils ont eue après sans Riomont, en fait même si ce n'est pas des vies euh, qu'on pourrait dire d'immenses réussites, mais enfin des gens qui, ont, qui, ont, qui s'en sont sortis, on va dire, voilà. qui étaient partis dans de la délinquance et qui se sentent avoir été pris en charge, mis dans le droit chemin. voilà. Et... Mais ça, c'est aussi un discours qu'on leur répétait beaucoup. C'est-à-dire qu'on leur disait, ta famille, euh, c'est euh, nous, en fait. C'est ta famille. c'est pas ta famille d'avant, parce que ta famille d'avant, ils ne s'occupent pas de toi, ils se sont pas occupés de toi. Et ta mère était une prostituée. Donc, tu vois, maintenant, on t'a sauvé. Et donc, pour faire, pour rétro-pédaler là-dessus, euh, c'est très difficile parce qu'ils se disent, mais que serais-je devenu sans Riomont Oui, c'est ça. Riomont est pratiquement, dans, dans, dans ce cas d'hypothèse-là, un, un moindre mal, finalement. Voilà, exactement. Et dans ce moindre mal, eh bien, on... On atténue finalement, on atténue les, les choses euh, qui n'auraient pas dû avoir lieu dans ce lieu, euh, qui n'auraient pas dû se, se perpétrer contre les enfants. Et en fait, finalement, rien n'est acceptable. Mais de leur point de vue, il y a quand même euh, ça qui sauve Réaumont en quelque sorte. Euh, ils m'ont appris à, à manger correctement, à être poli, à. à... Voilà, ils ont l'impression de ça. Et. Bah, Aujourd'hui, il y, y en a pour qui on ne peut pas faire euh, les convaincre du contraire. Enfin, ils sont persuadés qu'ils doivent tout arriver au monde et que, et que ce ne sont que des calomnies euh, et que tout ce qui est écrit dans le livre est faux et que je ne regarde que le, le verre à, à moitié vide. Euh, voilà, ça c'est le discours en fait de, des gens qui défendent Riomon. Mais c'est tout à fait compréhensible. Quand on voit le niveau de lavage de cerveau et quand on voit le, le niveau, de tout ce qu'ils ont entendu et qu'on leur a rabâché, rabâché pendant des années, parce que certains sont quand même arrivés là à 6 ans et sont repartis à l'âge de 18 ans, c'est beaucoup de temps en fait. Ils ont beaucoup le... Ceux qui sont restés moins longtemps sont ceux finalement qui ont eu le plus de possibilités aussi de se défaire de l'idéologie. Mais euh, il mais y en a qui sont restés des années, des années, des années, sans voir les parents, puisque Riomont faisait tout aussi pour séparer les enfants des parents. Hein. Même des parents qui voulaient venir et qui voulaient continuer à avoir des nouvelles des enfants, etc. Le père V finalement, au bout d'un moment, il faisait tout pour éloigner les enfants de, de la famille. Il y avait énormément d'enfants qui fugaient, qui voulaient rentrer chez eux, qui préféraient se faire frapper par leur mère plutôt que de vivre ce qu'ils vivaient à Riomont. Donc... Euh... Donc ça, c'est un élément qui, qui, qui est compliqué, en fait, qui est compliqué oui. dans euh, ce que certains euh, continuent à, voilà, à défendre et à soutenir Rio euh, oui, comme oui. Leur, euh, leur patrie. C'est une petite patrie pour eux, en fait, et c'est tout ça. à fait normal. Oui. Ben oui, tout à fait. Je, 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 je pense qu'on on ne, ne peut comparer et éventuellement voir ce qui est normal et pas qu'en fonction évidemment de ce qu'on a vécu, si on a vécu quelque part l'abus depuis très jeune, euh, quand on est déjà un peu moins abusé, ben, finalement, c'est déjà, déjà mieux. Donc, c'est de fait compliqué pour le coup aussi du coup de, de sortir de, de l'emprise dont on parlait tout à l'heure, et pour le coup aussi du syndrome de Stockholm. Oui, tout à fait. Voilà. Et effectivement, ce que Riomont euh, refuse absolument d'entendre, de, c'est ça, en fait. C'est que... Euh, ils ont, fait, ils ont voulu faire des, des sortes de petits robots, de petits soldats, et euh, ils n'arrivent pas à entendre parce qu'ils sont eux-mêmes toujours euh, complètement dans, dans cette idéologie. Hein, a, ça n'a pas changé. Hein, Riomont est toujours euh, ouvert euh, il n'y a plus d'enfants en pension, mais euh, ils font toujours du scoutisme. Euh, et il euh, y a toujours des jeunes euh, prêtres qui, sont, euh, qui, 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 qui continuent à venir gonfler les effectifs de, de, ce, de cet institut de la Sainte-Croix-de-Réaumont. Donc, eux, ils sont toujours dans cette idéologie-là. Et, euh, et finalement, le discours, c'est celui-là c'est de dire, mais euh, euh, on a fait tant de bien à ces enfants, en fait. Ils avaient tellement besoin de soutien ils avaient tellement besoin de changer d'air. Euh, comment peut-on critiquer ça finalement Et en occultant tout le, ce fonctionnement complètement pervers quotidien, euh, qui est, du coup a continué après Parce qu'en fait, euh, entre 81 et 86 et 89, pardon, euh, ils vont essayer de trouver une solution pour continuer à accueillir des enfants, même si c'est de manière euh, toujours pareille, illégale entre guillemets, et qu'il n'y a pas d'autorisation de la DAS. La DAS va continuer en fait à placer des enfants euh, et puis ils vont ouvrir au scoutisme. Et, et petit à petit, ils vont recevoir des scouts euh, le week-end, le mercredi, pendant les vacances. Et c'est payant aussi ça, donc en fait, ça va leur permettre de faire des rentrées d'argent. Et pendant ce temps-là, pendant ce temps où ils reçoivent des enfants et aussi des enfants laotiens, vietnamiens, des boat people qui viennent par des biais détournés, par des associations qui sont tenues par des généraux qui sont acquis à la cause de Riomont et qui placent des enfants euh, en dehors de toute l'égalité, encore une fois, euh, ils se disent, on va créer une école privée hors contrat et ça va permettre à des familles catholiques traditionnalistes de volontairement euh, nous confier leurs enfants. Mais toujours dans cette idée que c'est une sorte d'école de la dernière chance. C'est-à-dire que c'est une, une école et puis un collège euh, où du coup, maintenant, ils, ils, font, ils, ils prodiguent euh, des enseignements par euh, correspondance avec des moines qui font de la surveillance et qui font des cours. Et euh, ça marche très bien. C'est-à-dire que quand ils démarrent ça, il y a déjà un fond de roulement. Il y a déjà des enfants qui ont été placés là en amont par des parents qui voulaient soutenir Réaumont. Le père Revé meurt en 86, le père Jean-Paul Argoache prend sa relève, donc c'était son bras droit, euh, ancien éducateur, ancien parachutiste, évidemment la plupart des moines sont d'anciens euh, militaires, et euh, ouvre cette école privée hors contrat Jean Bosco qui euh, est agréé par le rectorat de Lille et par l'État, encore une fois. Et on va se rejouer la même histoire pendant des années des années, jusqu'en 2019. Pendant toutes ces années, entre 1989 officiellement, mais un peu avant, jusqu'en 2019, ils vont accueillir des garçons issus de familles catholiques traditionnalistes, souvent des familles assez riches, aristocratiques, bourgeoises, parisiennes, lilloises, mais de partout en fait aussi, et surtout avec ce focus d'enfants dont les parents ne savent plus quoi faire parce qu'ils se sont fait virer de 3, 4, 5 écoles privées hors contrat et que le seul endroit où enfin on va pouvoir les dresser, c'est parce qu'on sait que voilà, il y a ce cette idée du scoutisme, du militaire de on, on va les dresser, on va les redresser et donc là, c'est toute cette géné la deuxième géné la deuxième époque que moi j'appelle la deuxième époque donc les plus jeunes, ceux qui aujourd'hui ont une quarantaine d'années euh, qui vont être placés là par leurs parents et il y aura aussi dans le lot euh, des enfants euh, qui sont plutôt démunis, qui viennent du Nord, dont les parents ne savent pas trop quoi faire, et qui vont être placés là. Donc, vous allez avoir un de mélange de genres, d'enfants issus de familles euh, très aisées, d'enfants issus de familles très pauvres. Euh, et Riomont va même jusqu'à financer certains enfants euh, parce que les parents n'ont pas les moyens. Donc, ils préfèrent avoir un des effectifs plutôt que pas du tout. Après, quand vous voyez comment ça a fonctionné, c'est-à-dire qu'en fait les enfants, ils mangeaient très très mal, la, la nourriture était récupérée euh, de, de grandes surfaces qui se débarrassaient en fait de produits périmés, euh, ils n'étaient pas soignés, tout va se rejouer. Euh, sans euh, les douches, on va dire, sans euh, les violences dans les douches euh, et euh, la croix au mercurochrome sur la tête pour pas fuguer, mais finalement, ça va être les mêmes histoires qui vont se rejouer avec les mêmes discours d'extrême droite, les mêmes discours pétainistes, les mêmes discours euh, satanistes, les mêmes discours euh, extrêmes, les la même. Euh, la même obsession de, la, de, 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 de pas de sexualité. Donc, vous avez quand même, où c'est que des garçons, en fait, à des âges où la puberté arrive, où c'est un sujet qui est extrêmement fort, extrêmement important pour tous les garçons. Et en fait, on va leur expliquer que euh, le sexe c'est pas bien, qu'il faut pas qu'ils se masturbent, qu'il euh, faut qu'ils gardent les mains à l'extérieur de, de, des draps pour pas qu'ils se masturbent, que ceux qui sont retrouvés avec du sperme, on, leur, on les humilie et on leur fait euh, les, les les pires châtiments, ils se retrouvent à creuser des trous, à, à construire, à continuer à construire Réaumont, parce qu'en fait, la première génération a construit la première partie de Réaumont, mais la deuxième génération va construire l'autre partie de Rio -Mont, donc continuer à construire des églises, etc. Donc, tout ce système se, se reproduit, en fait, continue, 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 et euh, produit les mêmes effets. Mmh. cest que les garçons... Que moi j'ai retrouvé qui sont d'une génération qui sont passées dans les années 90-2000. Bon, ben bah voilà, pareil, hyper mal, euh, des, les addictions, in incapacité à être à l'extérieur, euh, ils ne savent pas euh, vivre, euh, ils, ont des, ça, ils ont des séquelles pour certains physiques euh, d'avoir été frappés, euh, ils se faisaient frapper, l'écho de Ranger. Euh, les châtiments dehors sous la pluie à creuser des trous en plein milieu de la nuit, des raids, des marches où les enfants ils se mettaient dans des situations de danger total où il y aurait pu avoir beaucoup plus de morts qu'il y en a eu. Euh, C'était euh, la même chose, euh, version euh, moderne. Quoi. Mais mmh. eux, ils n'ont pas évolué tant que ça et ça a continué et les abus sexuels aussi. Et si on ne l'a pas vécu, c'est vrai qu'en t'écoutant, évidemment, je me dis que c'est difficile à, à comprendre et, et encore plus, évidemment, à, à admettre aussi, parce que tu parles de, dans ton livre pas mal de, de, de redressement, mais aussi de, de complicité. Et donc, ce que tu décris là, en fait, c'est un système, de nouveau, vraiment un système, et, et qui perdure. Et j'ai aussi le sentiment que, un petit peu comme... Quelque part, quand on approche un milieu sans bien le connaître, on ne sait jamais très bien où on met les pieds. Donc, toi-même, j'ai vraiment le sentiment que tu as... Ouvert de grands yeux aussi et que tu as dû quelque part euh, digérer, euh, outre le fait que tu as aussi dû euh, euh, ben, avoir la confiance des personnes qui finalement en témoignent. C'est ce que tu exprimes très bien, je trouve, dans, dans l'épilogue de ton livre, en disant ceci Lorsque j'ai commencé mon enquête, je ne me rendais pas vraiment compte de l'ampleur des exactions commises sur des centaines d'enfants. Au bout de quelques mois à peine, je suis entré dans l'intimité et le quotidien des petits pensionnaires qui se retrouvaient dans ce milieu hostile, bien malgré eux. Parallèlement, les recherches à partir des archives m'ont permis de dénouer la pelote du mythe que le village n'a cessé d'édifier pierre après pierre. Alors c'est évidemment un mythe. Tu as quand même l'impression, avec euh, notamment ton, ton ouvrage et euh, le temps qui a passé, que ce mythe... Euh, comme d'autres mythes qui ont été euh, engendrés également dans, dans l'Église plus largement, euh, sont, 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 sont en fait en train de, de se fissurer. Ah, C'est une question qui est très difficile parce que je pense que dans le milieu catholique traditionnaliste, Riomont bénéficie d'un euh, grand respect. Il y a beaucoup une, il y a une, une aura en fait. Euh, je pense que Riomont aujourd'hui pour les, pour les milieux catholiques traditionnalistes c'est pas rien en fait et c'est même un exemple en fait d'un scoutisme complet euh, et euh, d'un scoutisme vertueux euh, il faut aussi parfois euh, accepter de se mettre euh, sur le point de vue de ceux que vous critiquez et le fait est que euh, ce milieu-là euh, porte au nu toujours Réaumont, ne comprend pas du tout les attaques euh, euh, et l'acharnement judiciaire dont il parle, c'est-à-dire qu'en 2019, il y a eu une vague d'auditions de, de, euh, en fait, suite à une plainte pour viol qui a été déposée par un pensionnaire en 2013 et qui a déclenché... Euh, Plusieurs épisodes judiciaires, notamment un où un prêtre euh, de le père prieur de Riomont, euh, Alain Miller, euh, a été euh, euh, pris avec euh, des images pédopornographiques. Euh... Donc il a été éloigné de la communauté. Il vient d'y revenir. Euh, D'après lui, euh, tout, est, tout est OK. Il hein. n'y a, de... a rien à voir et il a été injustement mis de de côté par la communauté et par la cause de la justice. donc euh, voilà, a priori hors de tout soupçon. Et, euh, et donc voilà oui, les, les, les personnes qui, les parents, des enfants par exemple qui ont mis leurs enfants là ou le milieu aujourd'hui, euh, considère que, que Riomont ne mérite pas euh, cet acharnement, que Riomont aurait dû rester ouvert, qu'on aurait dû continuer à confier des enfants à Riomont euh, et que ce pensionnat aurait dû rester ouvert et, et beaucoup espèrent qu'il réouvre un jour et, et sont prêts euh, certainement à donner de l'argent pour ça. Donc ça, c'est une, une réalité. Quoi. Enfin, je ne pense pas que le livre euh, ait euh, fait bouger euh, beaucoup les lignes dans le propre milieu catholique traditionnaliste. Euh, je pense qu'ils le prennent comme une énième attaque euh, comme ils ont toujours vécu ça et à chaque fois ils le prennent comme euh, une nouvelle, euh, une nouvelle euh, euh, un nouvel obstacle à, à franchir et ils sont persuadés euh, de faire le bien voilà donc mmh. de leur point de vue, il n'y a pas de remise en question, il y en a aucune. Euh, Réaumont c'est une institution euh, historique, euh, et qui, euh, qui est très très bien vu. Voilà. Euh... À la limite, ton livre, c'est un peu une attaque du démon, quoi. Ah oui, oui, complètement. Et puis moi, euh, ce que je représente avec le livre, c'est ça c'est quelqu'un qui s'acharne euh, sur une œuvre euh, qui a tant donné en fait aux enfants, qui euh, a sauvé des milliers d'enfants euh, euh, et qui les a remis dans le droit chemin. Et. Le travail, je pense, est beaucoup plus fort. Le livre, le travail du livre, est ce qu'il a suscité beaucoup plus fort chez les victimes, en fait, que j'ai retrouvées, chez les anciens euh, plus jeunes, donc ceux de, de, de la génération qui a suivi celle de la DAS, qui avaient encore presque plus de difficultés à sortir de ce cercle-là, parce que leur famille était déjà une famille catholique traditionnaliste. Euh, parfois à des vacantistes, euh, enfin, vraiment des milieux très, très sectaires, très extrêmes dans leur positionnement, et des familles de 12, euh, 12 enfants. Enfin voilà, tout, tout ce qu'on sait de la fraternité Saint-Piedis, la fraternité Saint-Pierre, Saint c'est de là que viennent ces enfants qui ont été mis à Riaumont. Et donc, du coup, j'ai l'impression que le chemin qu'ils ont fait est, est très, très costaud. En fait, ils ont fait un très gros chemin. Euh, quand je les contacte, euh, ils sont à un certain point et quand on parle et on avance ensemble, ils, a, ils avancent avec moi et ils comprennent aussi les enjeux qui avaient derrière leur placement d'une certaine manière. Ils comprennent aussi euh, ce qu'il y qui avait d'enjeux de financiers, ce qu'il y avait comme enjeux politiques, ce qu'il y avait comme enjeux religieux, ce qu'il y avait comme enjeux idéologiques. Mais c'est pareil, eux, en tant qu'enfants, quand vous allez à Riomont, vous êtes placé à l'âge de 12 ans à Riomont, vous comprenez rien au monde, vous n'avez pas les clés, on vous a rabâché pendant des années et des années que la religion, c'était le seul phare. Et donc, pour se défaire de tout ça, c'est un travail qui est hyper difficile et hyper long. Et il y en a qui sont toujours dans ce travail-là, en fait, hein, chez les plus jeunes. Euh, et qui ont essayé de fonder la, leur famille comme ils ont pu, qui parfois se sont cassés les dents, qui euh, sont divorcés, qui ont voilà qui ont des cheminements qui sont pas faciles, faciles quoi et qui sont aussi dans des addictions et qui ont été longtemps dans des addictions, dans de la violence etc donc on retrouve toujours ces mêmes schémas et, et voilà donc je pense que le travail surtout a été bénéfique pour les jeunes, qui ont accepté finalement de voir les choses autrement ou de, qui avaient déjà amorcé aussi peut-être un changement de point de vue hein, aussi. Je ne sais pas, que mmh. moi, qui ai tout, euh, tout fait, hein, pas du tout loin non, de là. Non, mais je, mais, mais je, je peux quand même imaginer que quand il y a une omerta autour d'un système à ce point abusif, il est compliqué d'y voir clair et que par définition, quelqu'un de l'extérieur euh, osse entre guillemets s'aventurer euh, ça peut porter justement un éclairage euh, nouveau et éventuellement faire parler éveiller les consciences et faire prendre conscience précisément donc donc j'imagine quand même que ton livre a, a dû avoir des, des échos plus largement qui ont pu être positifs et qui ont pu en aider certains à, à ouvrir les yeux ou à accepter de de voir ce qu'ils avaient éventuellement commencé à voir par eux-mêmes et de façon encore très confuse oui, il y a beaucoup d'anciens qui ont acheté le livre et il y en a dont je ne sais pas en fait, mais je sais oui. qu'il y a énormément d'anciens qui euh, ont acheté le livre, qui l'ont fait acheter leur, à leur famille pour qu'ils comprennent ou à leurs proches ou à leur épouse pour qu'ils comprennent euh, dans quoi ils avaient vécu. Il y en a, il y en a plein qui ont amené leurs enfants à Rioumont et qui et qui ont été reçus par les prêtres, en tout bien, tout honneur, etc. Et il et y a comme un besoin de revenir dans cette espèce de lieu euh, sombre euh, et qui a été destructeur pour euh, montrer, montrer le lieu où ça s'est passé, où ils, où ils ont vécu. En fait des choses très très dures mmh. et, et en fait Mont l'interprète complètement autrement parce que quand ils arrivent, les anciens, ils se disent ah les anciens ils reviennent parce qu'ils ont ils sont contents, ils ont envie de nous revoir, ils sont ils sont nostalgiques et en fait c'est pas du tout ça en fait la majorité des gens qui, qui sont retournés à Riomont c'est parce que il y a, y a un point à Riomont qui représente quelque chose qui, qui ne digère pas en fait. Et donc revenir là c'est se reconfronter à ça et c'est montrer, quelque chose en espérant peut-être que leurs familles vont leur poser des questions que les enfants vont leur poser des questions mais voilà c'est très difficile de raconter ça il y en a qui mmh. l'ont raconté que à moi pour la première fois en fait et après ils ont pu en parler à leurs enfants grâce au livre mmh. et euh, c'est euh, extrêmement honteux en fait de dire quand vous êtes grand-père que vous avez été abusé par des prêtres enfin je veux dire c'est c'est pas c est, c est, c est sale quoi enfin c'est pas pas une image que vous voulez donner aux autres en fait vous voulez pas que les autres sachent que vous avez été abusé c'est horrible en fait enfin, moi je le je me mets beaucoup j'essaye beaucoup de me mettre à la place d'eux pour comprendre parce que ça va vite de dire mais enfin pourquoi tu l'as pas dit avant pourquoi tu l'as pas raconté pourquoi te pourquoi tu parles pas ben parce que c'est c'est hyper dur c'est hyper honteux c'est pas l'image qu'on a envie de donner de soi en fait c'est pas une image positive c'est une image de fragilité de victime il y en a beaucoup qui veulent pas donner l'image de victime en fait donc euh, c'est aussi avec ça qu'il a fallu avancer euh, dans ne pas mettre les gens dans des cases ne pas les obliger à aller à mon rythme parce que moi j'avais déjà tellement d'éléments et tellement de témoignages que on peut vite euh, vouloir que les autres aillent à votre rythme mais non il fallait vraiment respecter le rythme de chacun, jusqu'à respecter qu'il refusent cette réalité. C'est pour ça que dans le livre, j'ai aussi tenu à donner la parole à ceux qui défendent Riomon et qui ne veulent pas en démordre. Parce que c'est aussi ça l'histoire. C'est aussi ça ce que Riomon a créé. Bien sûr. En fait. Bien sûr. Mais c'est vrai que le silence aussi, quelque part, il s'est joué à tous les étages et tu en parles aussi euh, euh, très bien. Je, je vais quand même le lire parce que je trouve quand même que c'est assez euh, pour le coup parlant. Lorsque tu écris ceci, en octobre 2021, je sollicite le point de vue du préfet de la congrégation de la doctrine pour la foi, le cardinal Ladaria Ferrer, au sujet des liens entre Rio-Mont et l'ex-Ecclesia Dei. Puis j'envoie une deuxième lettre au cardinal. Euh, Joao Bras, des de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, qui a signé un décret inédit en septembre 2021 pour fermer tous les pensionnats tenus par les héros de l'Évangile, pour protéger les enfants et adolescents des risques élevés de violences psychologiques et sexuelles. Je leur soumets aussi de nombreuses questions relatives aux violences commises à Rio je reçois in extremis une lettre laconique du Vatican en décembre signée par Mgr José Rodríguez Carballo, archevêque secrétaire de la Congrégation des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique. Sans répondre à une seule de mes nombreuses interrogations et en prenant note des violences sur mineurs exercées par des prêtres et des laïcs, il me demande de bien vouloir transmettre dans les meilleurs délais ces témoignages tant à notre qu'aux autorités civiles et religieuses compétentes pour intervenir selon la loi. Et puis c'est tout. Voilà, c ça, ça résume l'omerta pour moi, euh, généralisé comme les réponses, les non-réponses que m'ont fait le diocèse d'Arras. Euh, comme les non-réponses que m'ont fait euh, l'abbaye de Fongombo, comme les non-réponses que m'ont fait la Fraternité euh, Saint-Pidis. Euh, C'est un... comme ce qu'on peut voir aujourd'hui euh, quand on entend euh, le pape qui dit « On savait tous pour, euh, pour euh, l'abbé Pierre, le Vatican savait. Euh, » J'attends le jour où ils vont dire « Le Vatican savait pour lui. » parce qu'ils le savaient en fait. Parce que, en fait, euh, des dénonciations, il y en a eu beaucoup. Euh, des victimes euh, euh, de certains prêtres, euh, on les connaissait, en fait. Il, il, les gens, il, il y a des victimes qui se sont fait, faites connaître. Euh, même dans le rapport de la SIAZ euh, Riomont est cité comme euh, une des communautés problématiques euh, qui, euh, où il y avait euh, un, une personnalité toute puissante qui a fait ce qu'elle a voulu. Euh, comme dans d'autres communautés, en fait. Euh, donc, à un moment donné, je trouve qu'il y a une chaîne de responsabilité extrêmement grave, en fait, euh, où si, chacun retire ses pions en disant Mais c'est pas moi, moi je savais pas, euh, j'étais pas au courant. Euh. Et en fait, moi je leur, euh, je leur donnais des éléments euh, concrets, factuels, euh, des témoignages, et, et malgré ça, ils ne veulent, veulent pas voir. Donc je ne sais pas ce qu'il faut en fait. Je ne sais pas ce qu'il faut euh, comme, comme preuve supplémentaire que les, que les dysfonctionnements étaient profonds et énormes. Il euh, y, a, y, a, y a quelque chose de très grave aussi du côté des institutions publiques. Euh, comment est-il possible que euh, la DAS, euh, alors qu'ils savaient que les enfants étaient maltraités puisque les enfants le disaient, euh, qu'il y a eu des inspections, qu'on voyait bien qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Euh, comment est-il possible que l'État, si longtemps et pour euh, un confort en fait institutionnel, accepte ça euh, Comment est-il possible que le rectorat de Lille, qui a certainement fait des, des rapports et qui a fait des, des inspections, puisqu'ils sont obligés de faire des inspections dans les écoles privées hors contrat, euh, il n'est pas vu, il n'est pas soupçonné une seconde avec le dossier qu'il y avait déjà avant euh, précédemment. Riomont avait déjà un dossier extrêmement épais. Il euh, y a quand même eu un enfant qui s'est pendu à Riomont. Euh, Romain s'est pendu en 2001. Euh, Son oncle et sa tante ont ont avisé la justice, ils ont dit, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, euh, ce petit garçon, il faut qu'il sorte, ils ne l'ont pas sauvé parce qu'il s'est suicidé. Mmh. Euh, donc, euh, des alertes, il y en a eu, et c'est extrêmement grave que des institutions euh, ferment les yeux, en fait, parce que c'est une école privée hors contrat, euh, l'État n'aurait pas son mot à dire, mais c'est des enfants, en fait. C'est les enfants, c'est des enfants français de la République euh, qu aient, euh, que leurs parents décident de les mettre dans des écoles privées hors contrat, c'est absolument leur droit, mais que l'État ait un mot à dire là-dessus et que l'État euh, se mêle de savoir si ses enfants sont bien nourris, s'ils sont bien traités et s'ils sont dans des infrastructures qui sont sécurisées, c'est un devoir en fait. Et l'État n'a pas rempli... Euh, son devoir sur l'histoire de Riomont du début à la fin en fait. C'est euh, aberrant et c'est euh, inimaginable euh, qu'il euh, n'y ait que trois ou quatre personnes tout au long de ces 60 ans qui aient dénoncé et qui aient eu la, le courage de le faire parce que c'est des gens qui ont été menacés et qui, euh, étaient, euh, ind qui ont fait ça de manière individuelle en fait. Hein. Mmh. Mais comme tu le dis, euh, à partir du moment de toute façon où il y a des liens et crimes, évidemment que l'État euh, a sa part de responsabilité et doit évidemment s'immiscer dans la manière dont, euh, dont c'est dont, dont, dont géré, fût-ce euh, effectivement dans le cadre... Euh, Privé, ça ça, me paraît, ça, ça me paraît évident. Mais on sait, et, et tu as investigué aussi ailleurs, donc tu, tu sais comme moi que malheureusement, ce silence dont on parle et qui est à tous les étages, il est, il, est, il est courant, il est pour le coup aussi systémique. La SIAZ a déjà évidemment montré quel était le système qui était, qui, qui était mis en place en termes d'Omerta. Euh, et en termes de, 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 du pas de vague, finalement, pas faire de vague. Donc, ici, malheureusement, c'est encore et, et toujours un exemple supplémentaire d'un système qui, qui, qui perdure. Ici, euh, si on peut-être peut en terminer par là, Ixiel. Ton livre, en fait, j'ai envie de dire, il y a, il a, il a une petite suite. Il y a eu un, un, oui. un, un documentaire sur Arte. Tu peux lui nous en parler euh, également. Oui, alors, en fait. Euh, euh... Les anciens de Réaumont, euh, à un moment donné, j'ai senti que quand le livre était fini, donc le livre est sorti, ils, étaient... ils se sont dit Mais donc, on en reste là, en fait, il se passe plus rien, on va rien faire, qu'est-ce qu'on va faire Il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, euh, j'ai pensé qu'il serait euh, utile et, et intéressant euh, de transformer ce livre en documentaire. Et donc, euh, j'ai. J'ai trouvé un, une, une production qui m'a accompagnée en fait dans euh, l'adaptation du livre en documentaire. Donc, ce documentaire euh, va être diffusé sur Arte le, le 12 novembre prochain à 22h30. Il sera disponible certainement sur la plateforme d'Arte quelques jours avant. Et, euh, et donc, euh, ce qui est très beau dans cette histoire, c'est qu'on a pu continuer à cheminer avec les victimes au point que finalement, elle voulait absolument témoigner à visage découvert. Donc c'était l'enjeu, c'était ça, c'était de dire, je suis une victime, mais je ne veux pas être euh, euh, la victime euh, invisible, je ne veux pas être euh, celui qui ne prend pas les choses en main. En fait, je, je suis victime, mais je ne me définis pas que par ça, et euh, j'ai quelque chose à dire euh, de ce qui m'est arrivé, j'ai quelque chose à dénoncer. Et, et donc j'ai proposé à certains d'entre eux pour, pour, pour qu'ils participent, pour qu'ils qu qu témoignent en fait de, de tout ce qui leur était arrivé à Riomont. Et donc ce documentaire est construit vraiment du point de vue des victimes. C'est-à-dire qu'il y a un parti pris qui est très clair, qui est que les témoignages sont la structure, la, la, la colonne vertébrale du documentaire. Euh, il y a des témoignages aussi de cette prof de français dont j'ai parlé tout à l'heure qui a, qui a fait un travail euh, très important en fait d'alerte, de, de lanceuse d'alerte il y a beaucoup de femmes dans cette histoire euh, il y a aussi la juge pour enfants une des trois juges pour enfants qui a accepté aussi de revenir sur cette histoire de raconter un peu comment s'était passée euh, euh, son enquête euh, et puis on a aussi un, un éducateur qui a travaillé à Riomont, euh, qui était du mauvais côté de l'histoire et qui raconte comment lui, en tant que jeune éducateur, s'est fait complètement happer par ce système de la violence qu'il l'a lui-même appliqué. Euh, C'est un témoignage qui est très fort parce que ça n'a pas été facile pour lui, je pense, d'endosser de, ce, ce rôle du, de... de mais euh, de la, du mauvais, quoi, du mauvais personnage en fait, hein, mais qui euh, aussi est dans une, dans une résilience et d'une acceptation aussi et qui est devenu d'ailleurs après euh, euh, travailleur social et, et qui a fait un travail formidable dans, avec des enfants euh, en difficulté donc euh, euh, voilà. Et, euh, et on a toutes ces générations qui témoignent. On a les deux générations qui témoignent, on a les, les plus âgés, les plus jeunes, euh, et euh, une, un témoignage très fort aussi d'une louvette qui a été abusée par un des prêtres dans la période intermédiaire entre 81 et 89, euh, où euh, bah, les choses continuent de la même manière et son témoignage est, est poignant aussi. Euh... Euh, à, cette, euh, à cette, euh, cette, victime qui a demandé à être anonymisée en fait. Donc il y, y a deux personnes qui sont anonymes, mais tout le reste sont, sont des personnes qui témoignent à visage découvert, avec énormément d'archives aussi euh, de Riomont, parce qu'ils étaient dans une exaltation et dans un plaisir de, de, de communiquer et de produire de la propagande. Et donc du coup, cette propagande, elle est tout à fait visible parce que ça permet de voir et de comprendre euh, l'aspect euh, systémique et euh, le côté euh, très organisé finalement, très pensé, très organisé, très, euh, très, euh, très travaillé de, de ce lieu par le Père Revet et par ceux qui après vont prendre la suite et qui vont, et qui vont faire perdurer le lieu. Quoi. Donc, euh, je pense qu'on se rend mieux compte. Avec des images, ce que je raconte dans le livre, euh, je pense que là l'image va permettre de, de, de toucher aussi peut-être d'autres personnes que j'ai pas touchées avec le livre, parce que le livre c'est un objet qui n'est pas forcément évident, parce que, parce que voilà il y a des victimes qui m'ont dit qu'ils avaient lu un livre dans leur vie, c'était le mien, euh, et il y en a beaucoup qui lisent pas. Donc le, le média image, euh, je pense, va permettre de frapper aussi les esprits, de diffuser cette histoire et de la raconter euh, plus plus loin encore. Et on a aussi euh, un, un petit passage par l'Allemagne, qui est très intéressant parce que euh, Riomont avait des liens très forts avec l'Allemagne, avait des liens très forts avec la Belgique. Et donc on fait deux incursions, une en Belgique et une en Allemagne, pour montrer... Euh, des équivalents de riomont ailleurs. Donc, ça permet d'ouvrir et de montrer aussi que le réseau n'est pas que franco-français, mais européen aussi, malheureusement. Oui, c'est ça. Voir, voir l'ampleur, entre guillemets, du phénomène. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce, ce prolongement en images d'un ouvrage, d'un écrit, parce que, comme tu le dis, je crois que l'image, évidemment, elle, elle percute. Et. Euh, et elle donne à voir, et avec, avec en ce compris, du coup, les, les émotions des personnes, le rendu est, est, est différent. Donc, euh, j'espère évidemment, tout comme toi, que ça permettra aussi de faire prendre conscience à ceux qui, le cas échéant, sont encore dans le déni, à faire prendre conscience et aux autres aussi qu'il y a une réalité là qui est un drame, parce que finalement, euh, les premières victimes, ce, ce sont les enfants eux-mêmes qui, par définition, avaient déjà des problèmes au sein de leur famille et qui se retrouvent malheureusement une deuxième fois maltraités alors qu'en réalité ils auraient dû être aidés éduqués et, euh, et, et leur permettre évidemment d'avoir peut-être un, un bagage pour pour l'avenir et non pas évidemment un, un poids supplémentaire en termes de souffrance mais en tout cas merci Xel de, de contribuer à cette prise de conscience par ton ouvrage et et par son prolongement via ce, ce documentaire merci à toi merci